Et salut à toi YouTube et bienvenue dans cette vidéo. Première Knocky Knockout que je participe. Donc c'est un peu la Bren of the Day si vous voulez. Ou vu que Bren a participé à ma Yenex of the Week, je me suis dit pourquoi pas lui rendre l'appareil et participer à la Knocky Knockout. Voilà, il fait un pas, je fais un pas, ça me fait plaisir. Non mais c'est cool, surtout que bah du coup il a changé ses horaires de stream comme j'en parlais pendant la Yenex of the Week. Et du coup maintenant... attendez... J'ai vu la validation... Attendez, hop... Et hop... J'ai vu la validation donc plus ça... ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, il a changé ses horaires de stream. Et du coup, maintenant, je peux participer au Knocky Knockout, on va dire, sans que ce soit un problème. En tout cas, c'est pendant mes horaires de stream. Alors, je sais que c'est un peu aléatoire quand est-ce qu'il en fait. Du coup, c'est pas facile de planifier. Mais là, j'avais rien d'autre de prévu. Donc, pourquoi pas. Alors, classique, on a 3 minutes de time attack pour apprendre la map. Donc j'ai vu la validation, c'est pour ça que je sais à peu près où aller. Wouh! Et ensuite, ce sera du knockout. Donc 8 éliminés jusqu'à 64. Ensuite, 4 éliminés jusqu'à 16, je crois. Et 2 éliminés jusqu'à 8. Et ensuite, 1 éliminé. Voilà, un classique. Un classique du knockout. Ouais, le seul endroit un peu chelou, c'est ce drift. Et ça, faut faire gaffe à pas clip. En vrai, map chill. C'est pas non plus du classico del classique Rompishman, donc c'est cool. Ok, donc là... Est-ce que je peux pré-shot un peu? Pas vraiment. En fait, c'est mieux d'aller middle pour avoir le petit bump et pouvoir GS. C'est français ici. Ouais, je stream pas en anglais pour le coup. Mais je peux si tu veux. Ok, guys, for the Knocky Knockout, we're gonna speak English. So, welcome everyone. Ouais, et d'ailleurs, c'est francophone, pas français. Tu stream en Suisse? Ah, je peux streamer en Suisse, si tu veux. Après, bon, ça va un peu déranger, mais bon. Ok, les gars, ça va démarrer. Mon dieu. Alors là, il y a peut-être pas d'élim au début, je suis pas sûr. Vita en Australie. Ouais, bah du coup, il a changé tout son quotidien. Genre, maintenant, il va dormir à 20h pour se lever à 3h du mat. Pour streamer à 4h, quoi. Pour la COTN. Ah, c'est un peu les horaires que je faisais quand j'étais pâtissier, hein, pour le coup. C'est marrant. C'est marrant, J'ai switch streamer pour pas avoir ses horaires, on va dire. Pas que, évidemment. Une des raisons. Et lui, il est streamer, mais il fait ses horaires. voilà, voilà. Oh, Warlito! Warlito! Warlito, Warlito. On se retrouve en finale, mon gars. Je l'ai fait une semaine pour le stage de 3e fait dans une boulangerie. Aedra en Big 2024. Aedra, mesdames et messieurs. Le vrai.
Ok, du coup, premier round avec Alim, je crois. Il y a la fin, hein, je me fais pas de soucis. Le landbug ! Ah, ça va, safe. Mais la map me veut du mal, hein. Deux ans en boulangerie, mais les horaires sont compliqués. Au vieux temps d'Exalti avec Vulné et Jaja, souvenir, souvenir. Ouais, bah on avait fait le 24 heures, là. On avait fait le 24 heures à l'époque avec Exalti, Aedra... Enfin, Exalti. En parenthèse, Aedra, Vulné, Jaja et compagnie. C'était cool. Et les matchs. Les matchs, c'était cool aussi. Mais bref. Un temps révolu. D'ailleurs, hier, j'ai ouvert PUBG. Faire une game avec Vulné, avec Bolet. Et justement, j'ai vu Vulné co sur le jeu. Oh, j'ai eu tellement peur du airtime, les gars. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je vais sortir. Mais espèce de voiture là. Je vais vraiment aller dodo. Mais non, mais ça backflip pas. God I love full RNG flips. Il dit les termes. Hein. Aedra, parlant du loup. Ouais, du coup, je disais, ouais, j'ai lancé PUBG et j'ai vu Vulné en ligne. Mais je sais que ça joue pas mal à PUBG. Bon, on les avait vus d'ailleurs au Calif Zilan. Ça avait sûrement un peu trop train PUBG d'ailleurs. Voilà, flip the car. Thank you. Warl, faut sortir. Mais pourquoi tout à l'heure ça a pas flip? Peut-être j'allais trop vite. Bolé en train de s'entraîner à PUBG. Ouais, j'ai entendu qu'il joue avec Tyler, je crois. Après, je lui ai dit, hein, t'as pas besoin de full train et tout. Mais il m'a dit que c'était surtout pour prendre du plaisir. Histoire d'avoir un minimum de training pour prendre du plaisir. Honnêtement, on va survivre et on... Je pense pas que le training va changer grand-chose. On a fait une game hier, on a fait top 2. Honnêtement, on est prêt. Top 2 contre des bots. Ça veut dire top combien dans un lobby FFS, ça? Non, je me suis déjà fait coach sur PUBG pour la Zilan. Voiture est roulée comme pendant la Zilan. Exactement, c'est... J'ai déjà ma strat. En fait, je vais jouer semi-bord de zone, suivant où elle est la première zone.
Et après, ça va être camping. Hein. Si on n'est pas dans la zone, on joue bord de zone. Si on est dans la zone instant, on va mid zone et on prend un bat. Après, je connais les rota, petit shrink et compagnie, donc je peux éviter un maximum les fights, mais mon but, ça va être d'éviter le plus possible les gens. Pas oublié d'écraser en Utrem, bien évidemment. Ça fait partie du package. Prier pour ne pas te faire headshot pendant que tu conduis. Il y a eu la Yannick Sauzic ce soir, ouais. Ouais, on vient de la terminer là. Rip, j'avais pas le bounce de fin. Mais je crois qu'il faut pas être trop rapide. Les camper, je vous conseille pas forcément, dis-moi. Oh, t'inquiète, 50. Oh, pour camper, un étage... un truc à deux étages, c'est pas mal, par exemple. Après, si t'as pas la zone avec toi, c'est FF, mais... Si t'as pas la zone, c'est que t'es déjà late game, donc bon, c'est déjà pas mal. Ah, faut surtout pas tourner pendant le front flip, mais... En fait, je peux régu du 33, genre large. Par contre, l'eau 32, quand il restera plus que 8 joueurs... Un peu chaud. J'ai pas le hard à chaque fois. Ouais, il est dur. Il est dur. En fait, il faut extendre ton grass slide. Pas fastoche. J'allais doucement pour save tranquille, mais ça me faisait le bounce sideway. Ouais, je l'ai eu quelques fois, mais il faut vraiment être droit et pas tourner. Si t'arrives en diagonale, tu peux l'avoir. Si t'arrives... Si tu tournes pendant, tu peux l'avoir. Ça va, je l'ai de plus en plus compris. Pum, 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 pum. Je trouve quand même bizarre que je sois à 90 FPS. Oh non, vertu! Ouais, là tu tournes trop tôt. Question con, c'est quoi extend? C'est étendre. Pas loin du 32, ouais, mais j'ai pas eu le... J'ai raté la fin. J'ai déjà eu un 32. Et merci, le Magnifico. Ah, j'ai raté. En fait, là, si j'arrive trop vite, ça peut être dangereux. Parce que là, tu vois, je fais un GS. Genre, je fais pas un... je tourne pas à fond sur le GS. Je l'extende, quoi. Pour couvrir plus grande zone et conserver ma vitesse. Le lobby a l'air vraiment plus simple que d'hab. Bah la map est dure. On était 70. Allez, les viewers de Bren, c'est moins des joueurs TM quoi. Comparé à une Yannick Sauzic. Après, je sais pas si tu participes souvent au Knocky Knockout. Je connais pas du tout. Enfin, je...
Pas que je connais pas, mais... Je connais moins. Le niveau global. Ok, je vois un peu plus comment avoir 30 de l'eau. Et je peux le régu. Encore là, je trouve que j'avais un drift un peu loupé. Gère Bayron. En fait, je dois beaucoup release. Là, pour pas clip ici. C'est un peu relou. Moi, j'ai tenté une line différente, c'était catastrophique. Ah, j'ai essayé d'aller plus haut pour avoir pour descendre et remonter, un peu comme un bobsleigh. Mais ça a pas du tout marché, donc les SOTD sont souvent bien stack. Oui, bien très hard. Ouais, du coup, bah rien à voir avec ce qu'on est en train de jouer. La commu de Bren et Spam, c'est pas du tout la même chose. Ah, whisky? Ah non. Virage avant le bounce décide beaucoup de la fin. Ouais, 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 justement. Là, j'avais peur d'arriver trop vite au bounce. Ouais, je comprends de mieux en mieux la map, donc Régu 32, ça se fait, mais... Non, mais ça va, ça va. Bah alors toi. On le voyait pas. Hop là. Bah alors loulou. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas me resub, what the fuck. Bah, je pense que si tu veux tier 3, en gros ça va prendre à ton prochain sub. T'es déjà sub là. Thank you.
putain. Smurf le tournoi et choc top 3. En fait, il y a le front flip là qui est full random. Tu peux T3 quand tu veux et quand tu coupes le T3, ça continue le T1 qui a été cut. Ok. Oh, mais du coup, t'as pas l'annonce T3, non? Ouh là 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 là. Oh, la run est catastrophique. Je t'envoie ma malédiction top 2. La malédiction top 45 aussi, j'ai vu aujourd'hui. Bon. Ah. Oh là 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 là. Bon, il y a eu d'autres choses. On rappelle Aurel et RMX avec Bren. Attends, quoi ? Aurel et RMX ? Ouais. RMX avec Aurel et Bren ? Attends, quoi ? Pourquoi on rappelle ça? Ouais, j'ai fait une RMX avec Bren et Oren. Now! Ça, j'arrive plus là. Le start, je le grid trop. C'est ça en mode rappeler Bren et Aurel pour refaire. Ah, on rappelle Aurel. Ah, bah, le problème d'une RMX avec Bren, c'est que il parlerait pas français, tu vois. Faudrait une team anglophone avec Bren, pourquoi pas. En fait, j'ai jamais demandé à Bren parce qu'il est en Australie. Après, maintenant qu'il a changé d'horaire, il y a moyen qu'il participe. La fin d'un stream en français avec Otak. Ouais, mais Otak, c'est un peu différent. Il y a un arbre sur la way, Bren. Comment on fait? Comment on s'organise? Pourquoi il y a un arbre sur la way?
Ah, c'était free win. Bon, je me casse. On fait quoi? Ah, déjà, j'étais pas censé jouer. On regarde la fin? Bah, World va gagner normalement. Oh, c'est trop dommage. J'ai envie d'aller jouer la map. Putain, c'est dommage qu'il y ait cet arbre. Il joue toujours. Ouais. Ah ouais. Il joue d'ailleurs la World Cup vendredi prochain. On va à Cast sur la chaîne. Donc ouais ouais, il joue toujours. Ouais, ça réalise aussi, hein, non mais... Ah, il pré-shot un peu plus le GS, 31. Mais je trouve qu'il perd encore beaucoup au début. Casse solo, ouais, en solo. Ouais, pour 3 matchs, je vois pas trop l'intérêt de cast en duo. Ren fait pas la World Cup? Non. Non, il fait pas. Dun, dun, dun. Ouais, Pac qui s'est qualifié grâce à la LAN de ce week-end, la XPU. De justesse, hein, vraiment, c'était... C'était une extra dirt. En fait, Nuprime était devant. Et si Nuprime passait l'extra dirt, il était qualifié pour la World Cup. Oula, Toto. Non, vraiment, ça s'est joué à rien du tout. Non, mais il est solo world. Ah, 32.2. Il n'y a que Viper qui a un autre bon temps. Beaucoup de nouveaux à la World Cup cette année. Il y en a... Il y a Epos et Pustito. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai pas la liste sous les yeux, mais c'est les deux. Oh! Ah bah, Plixi. Il n'y a pas eu le backflip. Le frontflip. Viper, c'est lui qui joue avec Bolet des fois. Ouais. Je crois pas qu'ils jouent ensemble, mais ouais. Pustito, c'est pas le mec qui est monstrueux en campagne Nadeo. Ouais, c'est lui. En tout cas, il s'est fait un nom via la campagne, genre en 2022. À peu près. Mais ouais, ouais, Pustito... Incroyable. Bah, la World Cup de l'année passée, il avait les meilleures stats. C'est celui qui avait les meilleures stats. Ouh, World. Ok, ça va. Romain qui tape. Et on aura une finale World Viper. Ah, Viper qui save même le hard. Il l'avait pas. Joueur TM 2020 ou avant? TM 2020. Il a jamais joué à un autre TM. Et Epos, pareil, ça fera.
crois que Epos et Pustito, c'est les deux qu'on a... qui ont jamais joué à un autre Trackmania. Donc ouais, ça annonce du storytelling. Et ça, c'est cool. Ok, Viper contre Warl, je pense que... Oh, Warl qui release un petit peu, je crois, dans la diag. Viper qui sort avec plus de vitesse. Attention, hein, ça peut se jouer sur le front flip et le GS de fin. Voyons voir ici. Warl qui release beaucoup. Viper qui prend plus intérieur. Le front flip qui passe pour les deux. Le GS qui va être important. Warl qui prend l'intérieur. Et Viper qui n'a pas eu le GS. Ah, GG. Ah, Viper, juste depuis tout à l'heure, il troll son GS de fin. Je sais pas trop pourquoi. Pourtant, il avait le setup. Hein. C'est juste qu'il a, il a pas réussi à... Peut-être qu'il sait pas extendre un GS, ça m'étonnerait. Mais... Au moins, c'est mérité. Au moins, c'est mérité. Warl qui a fait beaucoup de première place. Mais du coup, voilà. Pourquoi Bren ne les fait pas? Bah, je pense qu'il a eu la flemme de se qualifier aussi. Et merci beaucoup, Bayron, pour les 5 sub gifts. Mais ouais, Bren, il a eu la flemme de se qualifier. Il boycotte un petit peu parce que le slot a été donné à Otak, alors qu'il est aussi ex-champion du monde. Et même passé par le... Je pense qu'il voulait passer par la grande porte et il a pas pu, donc c'est un peu relou aussi. Genre, t'es obligé de grind le leaderboard, participer à des LAN et tout. Alors que Otak, Otak il est chill, il est déjà en demi. Donc je pense que c'est un peu tout qui l'a dérangé. Mais Safferer, il a dit que s'il y avait une World Cup l'année prochaine, il participerait. Donc on verra. Voilà. Et bah YouTube, c'était la Nucky Knockout. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Pense à t'abonner, liker. Des bisous. À bientôt.